nous aider à comprendre combien il est important d'écouter Dieu et de lui obéir, Jésus a raconté un jour l'histoire des deux bâtisseurs. Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide. C'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. C'est une histoire que Jésus a racontée pour nous enseigner quelque chose d'important. Suivre Jésus, c'est comme avoir un rocher sûr en qui on peut avoir confiance. Jésus a dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dans les moments difficiles, vous serez emportés. » Si tu veux lire l'histoire originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc, chapitre 6. Bye-bye!